l'UDI Paris, nous ne nous opposons jamais par principe. Aussi, la réflexion sur le projet Tour Triangle de la Porte de Versailles a uniquement été guidée par l'intérêt général. Indédiablement, la construction d'une telle tour aura d'importantes conséquences sur la vie des riverains et des habitants du 15e, des conséquences de qualité de vie, d'environnement et de nuisance, des conséquences sur les transports et la circulation, des conséquences sur l'exploitation du parc des expositions. Nous avons toujours pris en compte les avis émis par les habitants, nous les avons entendus et nous les avons mis en perspective entre les enjeux et l'éventuelle unité du projet. Ce projet devait apporter les éléments de la compétitivité qui manque à Paris par rapport aux capitales européennes. En cela, les conclusions du commissaire enquêteur avaient apporté un éclairage particulier puisque, sur l'évaluation des incidences de la révision simplifiée sur l'environnement, le commissaire enquêteur a relevé que si tous les éléments n'ont pas le même poids, les inconvénients sont supérieurs aux avantages. Sur l'intérêt général du projet, l'intérêt général n'est pas démontré, son établissement nécessitant des expertises. C'est après avoir eu connaissance de ces informations que l'UDI s'est prononcé contre la tour de 180 mètres de haut. Comme François Hollande, il faut qu'Anne Hidalgo reconnaisse qu'elle s'est trompée et que la construction de cette tour soit abandonnée.